On espère que vous allez passer une belle réunion. C'est la première fois ce soir qu'on est sur Facebook Live, fait qu'on espère pas avoir de problèmes techniques. Si jamais il y a un problème technique avec Facebook Live durant la soirée, ça se peut qu'on déconnecte Facebook Live et on reste juste avec Zoom. De toute façon, les réunions sont enregistrées. Donc, vous allez pouvoir tout regarder ça sur le site web de la municipalité plus tard s'il y a quelque chose. Donc, merci tout le monde d'être là. On va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Membre du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Monsieur Lemire, est-ce que vous proposez? Oui, je Merci. Tout le monde est propose. d'accord? Oui. Oui. Merci. 3.1, adoption du procès-verbal du 9 décembre 2020. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du 9 décembre. Monsieur McLaurin, do you propose the minutes of the 9th of December meeting? Je propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Procès-verbal de la séance extraordinaire relative du budget 2020. Vous avez pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre, la séance extraordinaire du 16 décembre concernant le budget. Normalement, le budget, c'est M. Oui, Lemire. Donc, je vais redemander à M. Lemire de proposer. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et on avait une autre séance extraordinaire au point 3.3 du 16 décembre 2020. Donc, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Madame Cossette, est-ce que vous proposez? Je propose. Merci beaucoup. 3.4, procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 8 décembre. Donc, vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des modifications ou changements? Non. Non. Est-ce que vous proposez? Oui, rose. Merci beaucoup. Point 4, vous avez pris connaissance du rapport mensuel du directeur général, c'est pour dépôt. Vous avez pris connaissance également sur le rapport sur le suivi des dossiers et le rapport de délégation des pouvoirs. Y a-t-il des questions ou commentaires? Non. Non. Bon. 5.1, bordereau de dépenses. Monsieur Lemire. Oui, j'ai revu le bordereau de dépenses pour la période du 1er au 31 décembre 2020, qui s'élève à 1 300 000 842,31 sous. Et je recommande l'adoption. Il faut dire qu'il va y avoir au mois de février la dernière journée de décembre pour les factures qui arrivent en retard en janvier, mais qui sont datées de décembre. Alors, ça va être porté là, aux dépenses à la prochaine réunion. Parfait. Merci beaucoup. Donc, tout le monde a pris connaissance. Proposé par M. Lemire, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à 5.2, état des activités financières. M. Lépine. Oui, alors, on commence à s'approcher du bilan final de l'exercice financier 2020 de la municipalité, un exercice financier dont nous pourrons tous être très fiers et très satisfaits à plusieurs égards. Donc, le portrait général qui se dessine, c'est qu'on a eu des revenus, la municipalité a encaissé des revenus nettement supérieurs à ce qui était prévu dans le budget 2020 et de l'autre côté, les dépenses ont été de 600 000 $ moindres que ce qui était prévu au budget. Alors, on se dirige allègrement vers un surplus de fonctionnement non affecté là, qui dépassera le million de dollars assurément. Donc, on s'en va vers un léger surplus en 2020. On espère qu'il va être plus que léger, mais c'est un léger surplus. Donc, merci, M. Lépine. On va aller à 5.4.1. C'est le dépôt des listes des contrats de 2000 et plus totalisant 25 000 $ Donc, conformément aux dispositions de l'article 961.4, notre directeur général dépose au conseil la liste des contrats de 2 000 $ et plus totalisant 25 000 et plus par fournisseur. Donc, la liste sera publiée sur Internet en date du 22 janvier 2021. Si vous voulez consulter la liste des contrats, ça va être sur notre site web. Donc, c'était pour le dépôt. On va aller à 5.4.2, avis de motion et dépôt de projet, règlement 613-2021, modifiant le règlement 564-2018.
sur le fonctionnement des séances du Conseil relativement à l'ordre du jour statutaire. Monsieur Lévesque. Oui, alors il s'agit d'une modification relativement mineure de ce règlement pour mettre à jour l'ordre du jour statutaire qui se trouve dans le règlement. Donc, somme toute, quelques titres de sections de l'ordre du jour qui sont actualisés. Le rapport du maire qui était dans le règlement en point 4 mais se retrouve en point 12, comme si la pratique a été développée au cours des derniers mois. Et on procède également à l'ajustement de points à la période des questions. Alors, dans le contexte de la crise sanitaire, le gouvernement a autorisé les questions, les réponses écrites au conseil municipal. Donc, dorénavant, dans la période des questions, il y aura une sous-section pour les questions orales et une sous-section pour les questions écrites auxquelles le conseil pourra répondre. Merci beaucoup. Donc, M. Doré, est-ce que vous donnez l'avis de motion? Oui. Merci beaucoup. Donc, au mois prochain, on fera la suite avec le deuxième projet de règlement. 5.4.3, cession du lot 3.736.911 à Habitat Mourne Heights Incorporé. Donc, ça, c'est une résolution qui permet de céder un terrain qui appartient à la ville pour la future maison pour aînés en arrière du chalet Bellevue. Donc, considérant la résolution 169-05-19 relative à l'appui du projet d'Habitat Mourne Heights, il est proposé que le conseil signifie son appui à la réalisation d'un projet de logement assisté, excusez-moi, sur le lot 3.736.911 situé sur le long du chemin du lac Echo. Donc, qui propose? Madame Cossette, est-ce que vous proposez? Je propose. Merci beaucoup. 6.1, rapport mensuel du directeur d'incendie. Y a-t-il des questions, commentaires? Non. Peut-être, c'est pour le dépôt. Juste, peut-être avant d'aller plus loin, je veux juste dire à tout le monde, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas en français, puis vous voulez qu'on fasse vous avez des questions en anglais, on va les répondre à la fin de la réunion. C'est juste plus facile, surtout en Zoom, de faire ça en français et puis les questions suivront en anglais. Donc, if you're having trouble following in English and you have any questions, please don't be shy at the end to ask your questions. It just makes it a little less heavy to do everything in both languages. So we're going to do it in French. And if anybody has any questions at the end of the meeting, please don't be shy. 6.2, rapport mensuel du service de police de la Sûreté du Québec. Bien, puisque c'est COVID, on n'a reçu aucun rapport pour ce mois-ci. 7.1, puis on espère que Hugo, moi-même et Louise, on ne se fasse pas arrêter après le couvre-feu à 8 heures parce que j'ai l'impression qu'on va terminer à 8 heures. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics. Vous avez pris connaissance du rapport de M. Desfossés. Y a-t-il des questions? Non. 7.2.1, engagement, permission de voirie, loi sur la voirie. Monsieur Lépine. Oui, alors, tel que c'est prévu aux articles 37 et 38 de la loi sur la voirie du Québec, lorsque une municipalité doit effectuer des travaux en bordure de la route ou sur la route, la loi prévoit qu'une permission de voirie doit être obtenue du ministère des Transports du Québec. C'est une résolution annuelle qui, donc, doit être renouvelée et cette année ne fait pas exception, donc, à la règle. Et recommandation, évidemment, du Conseil, c'est d'adopter cette résolution-là, donc, afin que le ministère puisse nous accorder les permissions de voirie si jamais il y avait des travaux à faire de plus de 10 000 $ sur la route 329 ou la route 365. Merci. Donc, Mme McLeod, est-ce que vous proposez? Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez pris connaissance du rapport, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions? Non. Non. Bon. 7.5.1, changement de statut d'un employé journalier chauffeur opérateur. Monsieur Lépine. Oui, alors une résolution là, qui vise à confirmer le changement de statut de M. Alexandre Champagne, journalier chauffeur opérateur au service des travaux publics
qui a complété sa période d'essai de 8 mois telle que c'est prévu à la convention collective des cols bleus. Et au terme de ces 8 mois-là, il est prévu que l'employé accède au statut de personne salariée régulière. C'est l'objet de la résolution. Merci. Monsieur Dutiel, est-ce que vous proposez l'embauche de monsieur? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. 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 7.6.1, je vais le lire moi-même, monsieur Dutiel, si vous permettez. Oui. 7.6.1, c'est réfection de la route 329 entre le chemin Blue Hills et la route 364, priorisation par le MTQ. Donc, attendu que le conseil municipal a fait de la réfection du tronçon de la route 329 entre le chemin Blue Hills et la route 364 une priorité absolue et urgente pour la sécurité des usagers, de ce chemin particulièrement dangereux par son état lamentable dans la résolution 182-06-20, considérant que le ministère des Transports du Québec, responsable de la gestion de cette route appartenant à la municipalité par l'effet de la loi sur la voirie, avait accepté des demandes de la municipalité quant à la réfection de ce tronçon et s'était engagé à procéder à des travaux majeurs dès l'été 2021. Une correction ici parce que la route appartient au MTQ. Attendu que la MTQ, dans une lettre du 15 décembre 2020, est revenu sur ses engagements et a renié ses promesses en remettant les travaux à 2023 dans le meilleur des cas. Donc, considérant que ce désengagement du gouvernement du Québec est inacceptable pour la municipalité et que la MTQ doit démontrer davantage de sensibilité à ce dossier, il est proposé de dénoncer vivement le refus du ministère des Transports de prioriser la réfection en 2021 de la route 329 entre le chemin Blue Hills et la route 364, de transmettre copie de cette résolution à la députée d'Argenteuil, à la ministre responsable de la région des Laurentides et au ministre des Transports du Québec. Donc, M. McLaurin, est-ce que vous proposez? Je propose, monsieur. Merci beaucoup. Puis peut-être une solution, ça serait d'actionner le MTQ. Juste pour votre information, la municipalité de Wentworth-Nord a poursuivi le MTQ pour une réfection de tronçon de la rue principale chez eux et ils ont eu gain de cause. Je présume que le ministère va porter ça en appel, mais le juge a dit au ministère qu'il était délinquant dans leur entretien puis il voulait forcer le MTQ à faire des travaux d'entretien. Peut-être que ça serait une solution à regarder si jamais ils ne bougent pas. Donc, proposé par Ms. McLaurin, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 8.1, rapport mensuel du directeur par intérim en urbanisme. Vous avez pris connaissance du rapport de M. Royer. As-tu des questions? Non. Ça va? 8.2, rapport sur les permis et certificats. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-tu des questions? Non. Ça va? 8.3, rapport d'activité de la Société de protection et de contrôle des animaux. Donc, c'est un rapport de dépôt. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on a eu un? Non. Il a été mis dans la mise à jour. On l'a reçu hier. Oui, on l'a reçu hier. Fait que vous l'avez dans la mise à jour d'aujourd'hui. OK, parfait. On le regardera. Si vous avez des commentaires, on le fera le mois prochain. 8.4.1, on va commencer les dérogations mineures. Donc, ce qu'on va faire, puis on va tenter de le faire sans hic technique, on va partager l'écran avec vous pour la présentation de M. Royer sur les dérogations mineures. Donc, on va commencer la première dérogation mineure pour le 4.31, chemin Saint-Adolphe. Attendez, on va l'avoir. Ils sont pas là. Alors, écran partagé ici. Je partage. Voilà. Membre du conseil, est-ce que vous voyez l'écran de M. Lépine? Oui. Oui. Oui? Oui, ça va. Moi, je ne le vois pas. Ah, OK. C'est correct, Jean? Non, on le voit. OK. On va aller à la carte. Donc, on ouvre l'assemblée pour cette dérogation mineure-là à 7h47. Donc, on va expliquer, là, on va aller voir les plans. Oui. Voilà. Donc, l'objet de la demande, c'était de, permettre l'agrandissement d'une résidence existante en empiétant dans la bande de protection riveraine de 15 mètres et dans la bande de non-construction de 20 mètres prévue à l'article 37 du règlement de zonage,
pour la résidence située au 431 chemin Saint-Adolphe. Puis ça a été déposé et présenté. Donc, il y a eu trois présentations, si je ne me trompe pas, pour les membres du conseil qui sont sur le CCU. Le propriétaire a modifié trois fois. Ça, c'est ce qu'on voit présentement, c'est le plan de la deuxième étude, où il y avait encore un empiètement. Puis là, on va descendre un petit peu plus loin. Quand ils sont revenus la troisième fois, ils ont fait des grosses modifications. Ils ont sorti l'agrandissement complètement de la zone de 10 mètres. Puis sur le terrain, c'est vraiment dans leur stationnement. Là. Fait qu'il n'y a pas d'arbres coupés de plus ou quoi que ce soit. Donc, ils sont quand même à l'intérieur du 15 mètres et du 20 mètres, mais ils sont sortis complètement à l'extérieur du 20 mètres. Donc, là, il va falloir retourner pour savoir s'il y a des questions là-dessus. Là. Oui, absolument. On va sortir de l'écran, puis voilà. Je vais vous regarder. Monsieur le maire, si vous me permettez, ouais. Comité consultatif, je recommande. Ouais. Donc, c'est ça, le comité consultatif urbaniste recommande la dérogation mineure à l'extérieur du 10 mètres. Donc, j'aimerais juste savoir si vous levez votre main, il y a des moyens de lever la main. Là. Je vais essayer de voir s'il y a des gens qui ont des questions uniquement sur cette dérogation mineure-là. Puis ceux qui n'ont pas de caméra, je ne suis pas capable de vous voir. Fait que si vous n'allumez pas votre caméra, je ne suis pas capable de savoir si vous avez une question ou non. Là. Je regarde. Pour l'instant, je ne vois pas. Je ne vois personne avec la main levée pour une question par rapport à cette dérogation mineure-là. Ça va? Donc, Monsieur Doré, est-ce que vous proposez la dérogation mineure? Oui, je propose cette dérogation-là. Merci beaucoup. Donc, proposé par Monsieur Doré, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, dans Zoom, en bas, il y a une fonction qui permet de lever la main. Ça va m'aider si vous avez des questions. Là. Vous utilisez la fonction « lever la main » puis je vais être capable de vous identifier. Là. Ça va être plus facile si jamais vous avez une question. Donc, on ferme la première réunion à 7h50. On va aller à 8.4.2, la deuxième dérogation mineure. Qui est le lot 3 735 192, chemin du village. On va aller à l'écran. Donc, la dérogation mineure vise à permettre la construction d'un nouveau bâtiment commercial pour la propriété située sur le chemin du village, sur le lot 3 735 192. Puisque la construction se trouve dans une zone marécageuse, le comité consultatif en urbanisme recommande de ne pas recommander la dérogation mineure. Il pourrait faire quelque chose de plus petit, plus en avant, mais pour l'instant, ce n'est pas recommandé. Donc, on va retourner à la salle. Ben, peut-être juste regarder, là, vous voyez les marges avec le milieu humide à droite. Vous voyez la marge de 15 et de 20 mètres. Le bâtiment est encore à l'intérieur de ces deux marges-là. Et puis, c'est vraiment un milieu humide. Là. C'est pas quelque chose... Yeah, I think it's Bob Gauthier. Donc, on va retourner à la salle. Je vais voir s'il y a des questions par rapport à cette dérogation mineure-là. Donc, si vous avez une question par rapport à la dérogation mineure... Yeah, Peter, go ahead. Is that the... yes, is that the lot beside Bob Gauthier? Yes. Okay. Thank you. Okay. Y a-tu quelqu'un d'autre qui a une question concernant la dérogation mineure? J'attends. Yeah, Lena Measures. Won't be long. We'll turn your mic on. Hang on a sec. No, she has to. Non, c'est nous autres. Faut qu'on dé... Son micro. Le micro. Ouais, nous autres, faut qu'on... No, she has to. Okay, yeah. I don't know where that is. That's right beside Bob Gauthier's garage. If you're looking at the garage on the left-hand side. In front of the city hall. Yeah. Right across from city hall. Oh, okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Y a-t-il d'autres questions concernant cette dérogation mineure-là? Ça va? Ça va. Donc, on va fermer la... Donc, excusez-moi, Monsieur Dutille, vous recommandez de ne pas accepter la dérogation? Oui. Parfait, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, on va fermer la réunion pour la deuxième dérogation à 7h52. On va aller
à la prochaine dérogation mineure, 843, dérogation mineure, 450, chemin Blue Hills. On va aller au plan. Blue Hills, attendez-moi quelques secondes. Voilà. Donc, la dérogation mineure vise à régulariser la présence d'une galerie couverte à 6,8 mètres de la limite arrière du lot, alors que le minimum requis est de 8,5 mètres, et d'une galerie couverte de 8,08 mètres de la limite de lot arrière, alors que le minimum est de 10 mètres, pour la résidence située au 450 chemin Blue Hills. Donc, si on regarde le plan, il y a des dessins un petit peu plus loin, je pense. Si on descend un petit peu plus loin... Ouais, vous voyez les marges à droite. Donc, il y a une demande pour régulariser la première galerie qui est déjà existante à 6,8 mètres qui a été faite avec un permis et une demande pour construire une galerie couverte à 8,05 mètres. Donc, les recommandations du CCU sont à l'effet d'accepter ou de régulariser la galerie non couverte à 6,8 mètres. Et de ne pas accepter un permis pour la galerie couverte. Donc, on va retourner à la salle. Tout le monde a pris connaissance du plan, oui. Donc, je voulais juste savoir, y a-t-il des questions concernant cette dérogation mineure-là? Peter, your hands up. Do you have a question? No. No, thank you. Okay. I was before. Okay. Okay, Monsieur Hoffer? R. Hoffer, c'est ça? Oui, 400 chemin du lac Écho. Mais c'est quoi la différence qu'il y ait un balcon qui empiète et puis que le balcon soit couvert? Il me semble qu'il n'y a pas de différence. Non, c'est pas ça le point. Le point, c'est que le premier balcon, il a déjà été fait dans le passé avec un permis. La deuxième demande est de construire une nouvelle galerie qui est dérogatoire. Oh, OK, c'est rajouter une nouvelle galerie en plus. Exact. Okay. Je pensais que c'était juste recouvrir la galerie déjà existante. Okay. Non. Non, c'est pas ça. OK, merci. C'est bon. Okay. C'est bon. Gilles. On a répondu à ma question, c'est beau. C'est bon, Gilles? C'est bon. As-tu d'autres questions par rapport à cette dérogation mineure-là? Non. Ça va? Alors, peut-être, M. Oui. Vin, si vous me permettez. Donc, la recommandation du CCU est d'approuver en partie la demande de dérogation. Donc, la portion là, concernant la galerie non couverte, on recommande d'approuver et de refuser la partie de la demande concernant la galerie couverte. Exact. Donc, M. McLaurin, est-ce que vous proposez? OK. Yes. M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à la quatrième dérogation mineure, qui est le lot 6 407 548, projeté sur le rang 2. On va aller voir le plan. Voilà. Oui, c'est ça, 548 et 549. Donc, la dérogation mineure vise le règlement de lotissement 417, qui permet la création d'un lot dont la largeur moyenne est de 37,95 mètres au lieu du 40 mètres qui est demandé au règlement. C'est sur le rang 2. C'est important de dire que ça, c'est des lots existants, qui sont déjà cadastrés. La dérogation mineure vise uniquement le changement de 40 mètres à 37,95 mètres. Donc, ces lots-là sont déjà existants. Donc, on voit le plan. Ici, vous voyez le 37,95 versus le 40 mètres de moyenne. Donc, on va aller à la salle. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure-là? Ça donne une moyenne pour un lot de 38 mètres au lieu de 40 mètres. Mais les lots, ils ont de la superficie en masse. Peter, you have a question? Non, c'est OK. Pushing the wrong buttons. That's okay. on va aller, Monsieur Saunier. Attendez, on va démuter, je ne sais pas. Il faut qu'il démute aussi. Ouais. Le micro est encore là. Là, il faut que tu allumes ton micro. Est-ce que ça va être subdivisé en plusieurs lots, ça? C'est déjà deux lots, puis ça reste c'est déjà deux.
OK, d'accord. Il n'y a pas plus de subdivision. Parfait. C'est bon? Bon. Est-ce d'autres questions concernant ces dérogations mineures-là? Non. Il y en a-t-il d'autres plus bas que ça, Louise, juste pour le fun des caméras? Non, ils sont toutes là. Ils sont toutes sur le camp. OK. C'est bon, donc on va aller. Madame Cossette, est-ce que vous proposez la dérogation? Je propose. Merci, tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur le maire, est-ce que je peux me permettre de recommander au conseil de rendre cette résolution-là conditionnelle à l'obtention du permis de lotissement qui n'a pas été obtenu encore, donc c'est par, par réserve? Parfait. Donc, vous recommandez conditionnellement l'approbation du permis de lotissement? Oui. D'accord. C'est bon, Madame Cossette? Oui. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à la dernière dérogation mineure, qui est un lot projeté sur le chemin du lac Bouchette. Donc, la dérogation mineure, qui est similaire à l'autre, vise à permettre une largeur minimale de 47,68 mètres au lieu de 50 mètres sur un plan projet déposé pour la propriété au lac Bouchette. Donc, vous voyez, les deux lots sont déjà existants. Il y a juste une petite coche à l'intérieur d'un des lots. Donc, la recommandation est d'accepter la dérogation mineure pour permettre 47,68 mètres de largeur au lieu de 50 mètres. Encore une fois, c'est des lots existants et c'est juste pour régulariser une situation qui est anormale. On va retourner à la salle. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure-là? Je ne vois pas personne avec la main levée. OK. Bon, bien, M. Doré, est-ce que vous proposez la dérogation? Oui, je propose. Merci beaucoup. On a-tu besoin du permis de lotissement? Non, non, pas, non pas dans ce cas-là. Bon, bien, M. Doré propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, ça termine la section dérogation mineure pour ce mois-ci. Membre du conseil, est-ce que c'était plus clair avec les plans que le mois passé? Je présume que oui. 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 Bon. Oui, oui, oui. Pour moi, oui aussi. Oui. Good. Merci beaucoup. On s'améliore de mois en mois avec Zoom. Là. On commence à apprivoiser ça. 8.6.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 614-2021, modifiant le règlement 607-2020 de contrôle intérimaire limitant les opérations cadastrales afin de respecter les futures orientations du nouveau plan d'urbanisme, afin d'édicter des dispositions relatives aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et d'ajouter des dispositions visant à combler certains vides juridiques dans la réglementation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Juste pour l'information de tout le monde, pourquoi on passe ce règlement-là? Suite à la consultation publique qu'on a eue pour le changement de zonage de la zone 23, on a décidé de ne pas changer de zonage dans ce secteur-là. On a décidé d'aller avec ce qu'on appelle un PCC-MOI qui permet des projets particuliers. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on modifie le règlement de contrôle intérimaire pour ajouter les clauses d'un PPC-MOI qui nous permet d'approuver des projets uniquement pour des propriétés en particulier sans changer le zonage au complet de la zone. Donc, les craintes que les gens avaient en changeant de zonage et en permettant certains usages, c'est qu'il y a une densité trop forte qui se fasse dans ce secteur-là. Donc, l'objectif du conseil, puis on a pris bonne note des commentaires des gens du coin, c'est de ne pas changer de zonage et de laisser ça comme ça et de juste utiliser la voie du PPC-MOI pour travailler le projet de Mme Simon. Donc, y a-t-il d'autres explications, M. Lépine? C'est pas mal clair. Donc, okay. On a un conseiller pour donner l'avis de motion. Okay. Donc, qui donne l'avis de motion pour le règlement? Ah, je vais t'amener, je vais proposer quelqu'un. Est-ce que ça va être plus facile? Est-ce que M. Dutil, vous voulez proposer la modification au règlement? Oui, l'avis de motion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Mm-hmm. On va aller à 8.6.2, qui est le rapport de consultation publique sur le règlement 606-2020, modifiant le règlement 416 sur le zonage, afin de déplacer le lot 3,738,239 dans la zone 7 et de modifier les limites des zones 7 et 5 en conséquence.
Le lot auquel on parle, c'est le lot qui est en face du Grow Guide, qui est acquis par un promoteur. Puis on a changé le zonage de récréo-touristique à résidentiel unifamilial. Donc, on a une consultation publique, c'est pour dépôt. On dépose le résultat de la consultation. Il n'y a pas eu de commentaires particuliers sur cette consultation-là. 8.6.3, dépôt, rapport de consultation publique sur le règlement 608-2020, modifiant le règlement 416 sur le zonage, afin de déplacer le lot 3 736 911 dans la zone 37 et de modifier les limites de zone 37 et 36 en conséquence. Donc ça, ce changement de zonage-là vise à déplacer le lot qui appartient à la municipalité, qui est en arrière du chalet Bellevue, pour permettre l'usage qui est maison pour personnes âgées à cet endroit-là. Donc, on prend le lot qui est dans la zone 36, et on le met dans la zone 37. Donc, c'est pour dépôt. Il n'y a pas eu de commentaires plus qu'il faut là-dessus. C'est un projet qui avance bien. On espère que ça va débuter la construction en 2022. Les plans sont en préparation. Et aussitôt que les plans vont être relativement avancés, on va faire une présentation publique du projet. Donc, regardez ça, ça devrait être au courant de l'été ou printemps-été 2021, on va présenter les plans et esquisses de la maison pour aînés à Morlaix. 864, dépôt, rapport de consultation publique, règlement 609-2020, modifiant le règlement 416 sur le zonage, afin de procéder à l'ajout de certains usages à la grille de spécification de la zone 23. Donc, on a eu la consultation publique et les gens y ont exprimé des réticences concernant le changement de zonage pour le projet au camp. Donc, je pense qu'on a adressé ça en utilisant le PCC moi au lieu du changement de zonage. Puis vous allez voir, on va retirer le changement de zonage un petit peu plus loin. Donc, c'est pour dépôt. 8.5.6.5, excusez-moi. Adoption du second projet de règlement, 606-2020, modifiant le règlement 416 sur le zonage, afin de déplacer le lot 3 738 239 dans la zone 7 et de modifier les limites des zones 7 et 5 en conséquence. Donc, on a expliqué ça, c'est le lot en face du camp des Grow Guides sur le chemin du lac Bouchette. Le lot devient résidentiel. Donc, monsieur Doré, est-ce que vous proposez la modification du règlement 416 sur le changement de zone. Moi, j'ai... Oui. Tim? Oui? J'ai fait la... L'avis de motion. Ah, excusez. L'avis de motion. Ouais. C'est bon, donc, monsieur Lemire, vous proposez? Oui. Monsieur Doré, le deuxième. Ah, excellent. Merci beaucoup. On me arrête avec mon coffre. Merci. 866 Doré, 865 Lemire. Merci, monsieur Lemire. Parfait. Donc, tout le monde est d'accord avec le changement de zonage pour monsieur Lemire? Oui. Monsieur le maire, ça peut même permettre de vous signaler et de signaler aux membres du conseil que, évidemment, la prochaine étape, c'est l'enregistrement des personnes habiles à voter avant l'adoption finale. Donc, j'espère que tout le monde a compris ça. Il va y avoir un registre à signer pour le changement de zonage si jamais les gens ils veulent la tenue d'un référendum concernant ce changement de zonage-là. Suivez les avis publics et on va adapter à la prochaine séance le règlement en tant que tel. 866, adoption du second projet de règlement pour du zonage pour déplacer le lot 3 736 911 dans la zone 37 et de modifier les limites des zones 37 et 36 en conséquence. C'est encore le lot qu'on parle en arrière du chalet Bellevue. Donc, proposé par M. Doré, je présume? Oui. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Même chose. Oui. Et c'est la même remarque. Donc, il va y avoir un registre si les gens veulent la tenue d'un référendum qui va être tenu au courant du prochain mois, avant l'adoption finale du changement de zonage. On va... 867, on va retirer le projet de modification du règlement 609-2020 parce qu'on l'a traité par PCC-MOI. Donc, il n'y a pas de proposition à faire là-dessus, monsieur? Oui, peut-être une résolution pour le retirer. OK. Donc, Mme Cossette, est-ce que vous proposez le retrait de la résolution? Oui, je propose. Oui, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci. C'est pour le projet. Projet au camp. C'est pour au camp.
Oui, exact. Fait qu'on ne change pas de zonage de la zone 23. 8-6-8, contrat de service professionnel en urbanisme pour la refonte des règlements d'urbanisme. Donc, considérant que le conseil a mandaté au mois de... En mars. Un comité afin de procéder à une révision d'ensemble des règlements d'urbanisme, attendu que le comité a produit un rapport au conseil en janvier 2019, attendu que le conseil a siégé en comité plénier au cours de l'automne 2020 afin d'entamer la refonte des règlements d'urbanisme et du plan. Considérant que le conseil avait voté et affecté les crédits dans le budget de fonctionnement 2020 pour un contrat de service professionnel en urbanisme, afin que la municipalité puisse être accompagnée dans l'accomplissement de la refonte. Entendu que le conseil, à défaut d'avoir octroyé le contrat en 2020, a renouvelé les crédits à sa même fin en 2021. Donc, considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, considérant que l'estimation du contrat à venir est moins de 50 000, attendu que la politique d'achat de 2018 prévoit que, pour les contrats de gré à gré, au moins deux demandes de prix doivent être sollicitées avant l'octroi du contrat visé. Considérant que la direction générale a obtenu trois propositions pour le contrat de services professionnels en urbanisme, soit BC2 Inc. au coût de 45 000 plus taxes, l'atelier urbain à 44 500 plus taxes et Hélène Doyon Urbanisme Conseil à 36 250 plus taxes, considérant les recommandations du directeur général et de la directrice de l'urbanisme et de l'environnement, il est proposé d'octroyer un contrat de service professionnel en urbanisme à Hélène Doyon Urbanisme Conseil afin d'accompagner et de soutenir la municipalité dans la refonte des règlements d'urbanisme tel qu'énoncé dans l'offre de service déposée par celle-ci, dont copie a été fournie aux membres du conseil pour un montant de 36 250 plus taxes, sous réserve des heures réellement consacrées au travail prévu, et d'autoriser le directeur général et la directrice de l'urbanisme à signer pour et au nom de la municipalité tout document devant donner suite à la présente. Donc, on avait déjà annoncé qu'on allait refaire les règlements d'urbanisme dans l'ensemble de la municipalité. On a passé un règlement de contrôle intérimaire concernant le lotissement. Donc, on veut poursuivre notre démarche. Donc, la première étape est d'engager une firme d'urbanisme conseil, ce qu'on fait ce soir. Ils vont préparer un document préliminaire qui sera soumis à la population pour consultation. Et suite à ça, bien, le conseil procédera à l'adoption par la suite d'un nouveau règlement d'urbanisme plus à jour, qui représente plus les intérêts, nous, on pense, des citoyens de Morne-Heights, qui vise notamment un développement moins dense et des usages qui reflètent plus la réalité d'aujourd'hui et nous permet un peu de pallier à la pression de développement qu'on vit ces temps-ci avec la COVID et l'exode de Montréal. Donc, Mme Cossette, est-ce que vous proposez le contrat à Mme Doyon? Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On va aller à 9.1. Vous avez pris connaissance du rapport de Mme Maillé. Y a-t-il des questions? Non. Ça va? Ça va. 9.4.1, réseau plein air. Monsieur Lépine. Oui, alors, il y a deux résolutions dans la rubrique réseau plein air. Ce mois-ci, il s'agit d'autoriser le dépôt de deux demandes de subvention. Dans un premier cas, au ministère de l'Éducation du Québec, là, dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air. Alors, pour déposer un projet à ce niveau-là. Et la deuxième résolution, qui est pour autoriser le dépôt d'une demande de subvention à l'Agence de développement économique du Canada pour la région du Québec dans le cadre du programme Initiative de tourisme hivernal appui à l'entretien des sentiers. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'obtenir notre part de fonds publics pour améliorer et entretenir nos sentiers de plein air. Merci beaucoup. Mme McLeod, est-ce que vous proposez? Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 9.4.2, c'est pour une deuxième subvention. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Donc, Mme Cossette, est-ce que vous proposez? Je propose. Merci beaucoup. On va aller à 9.6.1, embauche d'employés saisonniers et temporaires supplémentaires pour la saison hivernale 2020-2021. Monsieur Lépine.
Oui, alors le titre de la résolution donc le mentionne, il s'agit d'entériner l'embauche de personnes, en fait de personnel supplémentaire au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, on parle de préposés patrouilleurs, M. Jacob Labelle, M. Vincent Dumontier et Mme Mathilde Labonté, et également de deux surveillants de patinoire, M. Daniel Bibeau et Mme Diane Daigle. Merci beaucoup. M. McLaren, est-ce que vous proposez l'embauche des employés aux loisirs? Je propose. Merci beaucoup. On est d'accord? Oui. Oui. On va aller à 971, appui à la coalition Santé-Laurentides. Donc, tout le monde sait que le développement des Laurentides se fait à un niveau assez rapide et malheureusement, les investissements en santé ne suivent pas. Donc, on veut appuyer une coalition pour que le gouvernement investisse de façon proportionnelle les budgets en santé pour les Laurentides. Donc, attendu que la population des Laurentides a doublé en 14 ans, s'élevant à plus de 630 850 personnes en 2020, et qu'une croissance d'au moins 6,3% de la population est attendue d'ici 2026. Et cela, sans compter les villégiateurs qui sont aussi en croissance importante dans la dernière année. Attendu les résultats de l'importante étude de la firme Damco, confirmant l'inadéquation entre les besoins de services de la population de la région des Laurentides et les services offerts, particulièrement en regard des services de santé et des services sociaux, attendu que la région des Laurentides représente 7,4% de la population québécoise, mais que la part du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux destinée à la région s'élève seulement à 4,9%. Cet écart de plusieurs millions de dollars est révélateur du déséquilibre et de l'iniquité interrégionale. Attendu que, faute d'infrastructures cliniques et hospitalières adéquates, des milliers de patients des Laurentides doivent actuellement se rendre chaque jour de façon régulière dans les hôpitaux de Laval et de Montréal pour recevoir des services, contribuant ainsi à la congestion du réseau routier métropolitain. Attendu que les rénovations hospitalières des dernières années n'ont pas permis de répondre à l'augmentation du volume d'activité médicale requis, attendu que le rapport de la vérificatrice générale du Québec en 2018 portant sur l'hôpital régional de Saint-Jérôme, vaisseau amiral de l'organisation hospitalière de la région, fait mention de l'état de désuétude de l'infrastructure et que la situation perdure depuis, parfois même de manière encore plus négative. Attendu que plusieurs acteurs du milieu hospitalier et du milieu politique se questionnent quant à la progression des projets des réaménagements nécessaires et se surprennent qu'après plus de 2 ans suivant la première annonce de modernisation de l'hôpital de Saint-Jérôme, en août 2018, peu d'avancement soit survenu. Attendu que plusieurs partenaires régionaux ont constaté un changement majeur dans l'échéancier du CIS qui fait reculer la réalisation du projet de l'hôpital Saint-Jérôme à 2029-2030, si aucun retard ne survient. Attendu que seuls 3 hôpitaux de la région, Mont-Laurier, Saint-Eustache et Saint-Jérôme, seront modernisés dans la deuxième moitié de la décennie 2020 et qu'il n'y a aucune perspective pour les 3 autres centres hospitaliers de la région, soit Sainte-Agathe-des-Monts, La Chute et Rivière-Rouge. Attendu que le premier ministre du Québec, dans différentes déclarations, dont une remontant à juillet 2020, soutient que la population des Laurentides doit pouvoir compter sur une couverture adéquate de soins de santé et une consolidation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a déclaré suite à un reportage de Radio-Canada du 23 novembre 2020, qu'il s'engageait à revoir l'accélération des travaux de modernisation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Attendu qu'il est vital d'établir une vision cohérente du système de santé laurentien pour moderniser son réseau et qu'il faut mettre fin dès maintenant à la culture de saupoudrage qu'opère le CIS des Laurentides. Attendu que le CEPERL a adopté à l'unanimité lors de sa rencontre du 27 novembre 2020 une résolution qui porte le numéro CEPERL 0603, le plan de mise sur pied d'une coalition santé laurentide dont l'objectif est de mettre en lumière le besoin accru de moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières devenues vétustes de la région et de rehausser le financement permettant un accroissement de la qualité et de la sécurité des soins auxquels ont droit la population des Laurentides. Attendu, la coalition Santé Laurentides sera formée de différents partenaires élus, médicaux et hospitaliers, d'affaires et d'organismes communautaires qui appuieront la demande de consolidation et de modernisation des centres hospitaliers des Laurentides et de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Il est proposé
d'adhérer officiellement à la Coalition Santé des Laurentides, d'appuyer la Coalition Santé Laurentides et ses revendications en ajoutant la voix de la municipalité de Morin-Heights à celle du CEPEL et des partenaires laurentiens afin d'exiger le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des 6 centres hospitaliers des Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme, et d'exiger du gouvernement du Québec une équité interrégionale et la fin du sous-financement des soins de santé et des services sociaux pour bâtir l'avenir d'un réseau de santé accessible et efficient pour l'ensemble de la population. Donc, membres du Conseil, comme vous le savez, les soins de santé de proximité sont de plus en plus importants. On le voit très bien avec notre Coop Santé, qui est un succès énorme, et on invite tous les gens qui ne sont pas membres de devenir membres de la Coop Santé. C'est vraiment une belle réalisation chez nous, si vous avez besoin d'un médecin de famille. Et puis, membre du conseil, je vous demanderais, si vous permettez, d'appuyer la résolution de façon unanime. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Yes. Merci tout le monde. J'aurais une suggestion. Monsieur Lépine, au sixième paragraphe, si je ne me trompe pas, 7e paragraphe, il y aurait besoin d'un petit rewriting. Pour la, parce qu'on parle, à un moment donné, depuis, puis il n'y a pas, on dit c'est un siècle, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas d'indication. Et c'est terminé parfois même de manière encore plus négative. D'après moi, il manque une ligne. Oui. Juste rewriter ce paragraphe-là. Plus longtemps. Parfait. Ouais. Excellent. Merci, M. Lemay. Donc, tout le monde a proposé un élément au membre du conseil, c'est bon? Oui. 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 OK. Oui. Oui. Donc, on va aller au point 10, correspondance. Tout le monde a pris correspondance des lettres reçues et envoyées par la municipalité. Oui. Des questions? Oui. Non. Ça va pas. Déclaration du maire. Bien, la première déclaration que j'aimerais faire, c'est qu'à partir de jeudi passé, on avait 0 cas de COVID actif dans la municipalité de Morin-Heights, ce qui est une très bonne nouvelle. On est content de ça, puis on demande à tout le monde de continuer les mesures sanitaires. On n'est pas sorti du bois encore, puis avec les ralentissement de la vaccination Pfizer, ça va juste se prolonger un peu. Donc, continuez à respecter les mesures. À Morin-Heights, ça va bien. Dans la MRC des pays d'en haut, je pense qu'il y avait 34 cas total de COVID actifs présentement. Donc, les chiffres baissent, puis il faut continuer à les faire baisser. Donc, lâchez pas les mesures. J'espère que tout le monde sort dehors un peu avec la tempête de neige qu'on a eue la fin de semaine passée. C'est magnifique dehors, puis j'invite tout le monde d'aller profiter de nos sentiers et de nos installations extérieures. Ça vaut vraiment la peine. Donc, sur ce, on va aller à la période de questions. Et puis, la manière que je vais fonctionner, je vais demander à chacun, je vais vous nommer, puis Louise va démuter votre micro. On va y aller un à la fois, puis je vais essayer de ne pas oublier personne. Et puis, vous pourrez poser vos questions, puis on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut. Fait qu'on va commencer. La première personne que je vois sur la liste, c'est M. Gilles Filiato. Il faut vous démuter votre micro, M. Filiato. Ouais. Oui, c'est bon. J'ai fait une demande en mute. Merci beaucoup. Et bonne année à tout le monde en passant, ça fait qu'on se voit cette année. Là. Oui, bonne année. Écoutez, moi j'ai quelques questions, je ne veux pas monopoliser le plancher, là, mais évidemment je reviens toujours à un petit peu. Vous avez droit à deux questions, puis après ça on reviendra après. Excellent, parfait. Donc je vais commencer mes deux. La première question, c'est à revenir toujours sur la question de la circulation sur le chemin Christie-Ville particulièrement. J'ai reçu, merci M. Lépine, les données de l'étude qui a été faite cet été. Malheureusement, c'est des données brutes. Alors, c'est incompréhensible. Alors, est-ce qu'il y a un outil pour les interpréter? Est-ce qu'il y a un rapport qui existe que je pourrais avoir pour pouvoir comprendre exactement qu'est-ce que veut dire ce livre? Est-ce que vous avez... I decided to join a Zoom council meeting and I froze out with my... Il y a quelqu'un qui a le micro allumé. Je pense que la Galaxy S10 de Lucie. Ouais. C'est bon.
Oui, c'est ça. Et les données, c'est les mêmes qu'on a. Est-ce que vous avez... Ça nous ferait plaisir, M. Fiantro, si vous venez nous rencontrer ici, là, je vous montrerai comment ça fonctionne. C'est des données qui donnent des tranches de vitesse. Vous avez le nombre de véhicules par tranche de vitesse. Puis vous avez un V85. Ça, ça veut dire que c'est la vitesse qui représente 85 % des véhicules, leur vitesse moyenne sur le tronçon mesuré. Mais je peux... Ça me ferait plaisir de vous rencontrer, vous expliquer ça. Alors, je prends rendez-vous comment? Avec Louise. Vous appelez au 3232-101. 226-3232-101. Oui. Oui. Et Louise va nous booker un rendez-vous. Excellent. Et puis, dans la même ordre d'idée, surtout avec la circulation, vous êtes disposé, je pense, à essayer de faire des vérifications s'il y avait moyen d'aller chercher de l'équipement pour faire une étude d'hiver, hivernale, parce que les équipements utilisés l'été passé ne fonctionnent pas ici l'hiver. Oui, écoutez, je n'ai pas eu le temps encore, mais on va essayer de regarder ça et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Là. Sans dire autre, l'hiver n'est pas fini encore. Non, c'est ça. Avec la température de ce matin, non. Non, effectivement. Alors, ma deuxième question pour cette session-là, c'est concernant la résidence des aînés. Quand cette résidence-là va être disponible, est-ce que les résidents de Morne Heights existants vont avoir une priorité pour y accéder ou ça va être ouvert? Oui. La manière dont ça fonctionne, c'est que la résidence va être administrée par un OSBL qui s'appelle Habitat Morne Heights et il va avoir des critères établis pour les gens qui vont être admis. Les critères vont être un genre de barème qui va être pointé. Effectivement, les résidents de Morne Heights vont en priorité puisque la municipalité a donné le terrain et va amener les infrastructures jusqu'à la résidence. C'est sûr que la résidence, la clientèle prioritaire, c'est des gens 75 ans et plus. Et c'est autonome ou semi-autonome. Et la nourriture est inclue dans le package. Mais on va faire une présentation de tout ça aussitôt que les esquisses sont prêtes. On va faire une présentation publique de la résidence. Il y a 30 unités et le projet est financé quasi à 100 % par le gouvernement à part du terrain et les infrastructures. Bravo. Est-ce qu'en passant, ces conditions-là de privilégier les gens de Morne Heights et ainsi de suite sont inclus dans les ententes de dons de terrain et d'installation d'infrastructures? Non, mais ça fait partie. Mme Cossette est sur le conseil d'administration du Habitat Morne Heights et c'était très clair depuis le début qu'il faut que ça fasse partie des critères pour que la municipalité donne le terrain. Moi, je vous ferais une suggestion de le formaliser. Si je peux me permettre, c'est déjà formalisé. C'est inclus dans notre programme, nos ententes avec Accès Logis dans le programme. En fait, c'est un questionnaire. Quand on va faire la sélection des résidents, c'est un questionnaire qui nous est fourni par eux avec un pointage. Et donc, tout ça est déjà fait. Et les points, évidemment, les résidents de Moreland vont avoir plus de points qu'un résident extérieur, etc., etc. Mais tout le questionnaire est fourni par Accès Logis. Excellent. Est-ce que ce questionnaire-là est disponible maintenant ou pas encore? Pas encore. Non. On va le présenter au même moment, M. Filiatro, de la présentation du... C'est une question sociale de protéger notre investissement comme citoyen. C'est sûr et certain. Merci pour mes deux questions. J'y reviendrai tantôt. Avec plaisir. On va aller à Mme Lise B. Est-ce que vous avez une question, madame? On va essayer de vous démuter, ça ne sera pas long. Non, je n'ai pas de question, merci. Ah, parfait. On va aller, le prochain, c'est M. Gallagher. Yes, good evening, gentlemen, everybody. Good evening. Hey, I'm just wondering a follow-up on our discussion about the petition. For the most part, the lighting, we were supposed to meet or talk somewhere at the beginning of the month. Just wondering if there's any headway on our discussions about that. Yeah, our inspector has met with Mr. Paradis twice. There's a bunch of things that have to be corrected, so we're working with him to make it better. But he's open to the idea of doing something with the lighting to make it a lot less bright. As we discussed, his operation is conformed to the usage, so there's not a lot we can do about that. We are sensibilizing him to the nuisance bylaw, which tells him he can't start before 7 o'clock in the morning. So yeah, we're moving ahead with that, and we will meet Mr. Gallagher as soon as we let Dave finish up his meetings with Mr. Paradis. We'll call you and we'll meet again.
That's great. No, that's good. Because, you know, I had sent, I don't know if Mr. Le Pen got my file. I just sent the file there privately on the message. It's actually a picture of the lighting at night. Okay. And, you know, I think many of the people around here are concerned about the excess lighting of light pollution. And, you know, as well as I do, in the vicinity, there's a lot of animals in that lake area. And we're a bit concerned about the ecosystems because the animals, they need, you know, the life cycles depend on, you know, having darkness. And where those lights are right now and how they're shining is not just straight up in the sky. It's also infiltrating that terrain, which, as you know, is as well commercial industrial, but it's not used as that. So that was just a concern, just to food for thought when we do meet, because it's, you know, you'll see that picture and you will agree. I mean, that is light pollution. I mean, there's no doubt about it. I'm glad that he's open to adjust the lighting or even possibly doing some kind of less wattage or sensors. We're trying to work with him so it's less bright for sure. Absolutely. Well, it's not just for me. it's for the neighborhood and like I said, the nature that is surrounding there. There is a lot of terrain behind that. There's been animals there for years. So we're you know, the community is concerned about these ecosystems because of these animals having this light. It's a 360 thing around. So that's just a concern that you know, I've been talking about with some. We've heard your concern, and like you said, it's not just your concern. Light pollution is a concern for everyone, and we're going to be integrating it even more in our new urbanism bylaw. So we're going to be putting restrictions on what people can do with lighting, and I think that's a good point that we're going to try and add into our new bylaw. Excellent. Well, that's great. All right, so I'll wait when Dave completes his thing, and then I'll wait to hear back from you guys. I look forward to meeting you. Should be within the next couple of weeks, again. Mr. Gallagher. Okay, no problem. Okay. Thank you. The next one will be Gilles Saunier. Après Gilles, on va... Oui, c'est bon, je l'ai remis. Pour appuyer la demande de M. Gallagher, l'autre jour, je revenais de la chute, puis avec à ce moment-là, l'éclairage m'a aveuglé. En arrivant dans le virage, là, j'avais de la difficulté à voir la route. OK, c'est bien noté, puis on va s'assurer que ça soit réglé. Puis... On avait fait une demande il y a un ou deux ans d'élargir aussi de faire une surlargeur sur le virage lorsqu'on prend la rue Jackson. Qu'en est-il à ce moment-là? Ça avait été une demande qu'on avait envoyée au MTQ, puis d'après moi, ils nous avaient refusé. Évidemment, ils ont refusé, hein? C'est ça, oui. Oui, parce que l'infrastructure appartient à eux autres, on ne peut pas juste faire ça. On ne peut pas juste le mettre, on ne peut pas juste arriver puis le mettre. Ouais, okay. Non, malheureusement, on a essayé ça avec des limites de vitesse puis ils ont enlevé le lendemain. Là, Puis, un petit détail aussi. Projet de Mme Sigouin, oui. Le stationnement. Est-ce qu'il va y avoir assez de stationnement pour l'ensemble des. Oui, les projets de stationnement sont analysés quand ils vont faire les dépôts de permis là, par notre service d'urbanisme. Puis il y a des normes qui sont établies par unité de... Parce que ça commence à être un problème, puis la rue Jackson, bon, c'est pas un problème réellement, mais il y a un manque flagrant de stationnement là, autour du parc. C'est sûr que toutes les autos doivent être stationnées sur sa propriété pour ce projet-là. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Zionier. On va aller à Dr. Measures. Allez-moi, ça sera pas long. Go ahead. Okay, I have a lot of questions, but I'll just ask a couple and then maybe you can come back. Back at the end. Once everybody's asked two questions, if you want, I'll stick around for a long time. Don't worry. Just some quick, the contract for the renewal of the urbanism bylaws, when, I presume you've given them a date when it should be due? Yes, we're trying to get it majoritively done before the month of June. That's the contract. That's to prepare the urbanism plan to be presented to the population. Okay, before June. Okay. You've left it kind of open like that? Well, we know about how long it takes to do it. If it's quicker,
Tom Muir, but we that's the limit. Okay. Concerning the zoning change for that project that was submitted in the Viking area there, you said you didn't change the zone, but you're going to allow the project, or presumably the project will go ahead on the existing zoning? Is that correct? What we're doing is there's an urbanism concept called, in French, it's called the PIP CC-MOI. That's like, it lets the council decide if a project is interesting on a certain lot without changing the zoning of the whole zone. So council is able to determine criteria that sort of establishes if the project or not is good or not for that area without changing the zoning of the whole area. Now, the advantage of that is if the project doesn't go ahead, we haven't changed the zoning, so we don't have to do any unzoning changes. You know, it applies only to that lot and not to the entire zone. Because the lot is already zoned residential, is it not? That's right. But since we're going to permit recreo touristique and hotelier, it'll apply only to that lot and not to the entire zone. Is that legal? Yes. lots of other grounds. We wouldn't do anything illegal. Seems kind of strange. Okay. Okay. Any news on the Peter Dam? We will be doing a presentation to you guys. We asked you go to meet with you guys within February. End of February. Yeah. Okay. So we'll have the cost estimates end of February. We'll be meeting with you and Normand probably ahead of time there, just to present the results, and then we'll do a Zoom with everyone. Okay. On the website, you do not have the tenders and contracts posted for 2019. Oh, we'll put that up. Why are the minutes not available for the previous meeting, before this meeting? They are? They're there. Apparently they are. Yep. Minutes are there. Are they there? I didn't see them. Normally, the minutes should be available only after we approve them. So technically, the minutes for last meeting we approved tonight, they should be on the website tomorrow. Mm-hmm. Yes, but if you have a meeting in person, you have a hard copy available as people walk into the room. Not at the minutes of the meeting we're having, of the one before. The one well, that's what I'm asking, the one before. Yeah, the one before is not officially approved until we approve the minutes. We could put it up non-officially and say it's not approved, but... Yeah. You could put a watermark on it. You could say ebauche or draft. We could, but... Because if it's available at the in-person meeting for the prior meeting, I don't see why it shouldn't be available on the website before the Zoom meeting. Right. If you follow me. We could actually put it up, to be honest with you, at the same time we put the Alte de Joux for the meeting, the day before or 2 days before. We can put it up. That's a good idea. Okay. I've got some other questions, but I'll let other people go for now. Very good. Thank you. We'll go to Mr. R. Hoffer. We'll try and unmute your mic. Give us a second. Yes. Hi. Yeah, go ahead. I have questions about the cross-country skiing network. That's about the only subject I want to talk about. Sure. But the first question I have is concerning protecting the network from infringing development that's eating away at the network, you know? Is there a way for the town to do some kind of regulation to protect the path? Like, you know, I've been cross-country skiing here in Moorhen Heights for 40 years. And last time we had the golf development, but the golf allowed the path to continue to be used during the winter time on their course, but now we have like Allen Falls that's eaten a lot of the triangle path, and we have something that's happening also on the Salzburg, and I don't know, there seems to be also some sort of infighting now with the owner of the golf course that won't let the triangle go through. Is there something that the town can do to kind of like protect the path? This is, for me, this is the heritage of the town. I mean, you come in this in the town here on the 364, it says Capitale du ski de fond du Canada.
Yeah, we agree with you, Mr. Hoffer, on that. And what we do to protect the trails, we do as much as possible. First thing we do is we have GPSed all the trails in the whole town of Moore Heights. So when a developer comes in and wants to do a development, we know where the trail passes. And we work with the developer to try and maintain as much as possible the trail. They have something called the park tax, which represents 8% of the value of what they subdivide, which we have a choice of taking in money or land. And I can tell you, whenever we know there's a ski trail there, we take it in land. And we try and maintain as much as possible the ski trails in Moore Heights. And we do it pretty well, I think. A lot of places, like with Allen Falls, we work with them and we bought over 100 acres of land to try and preserve as much as possible. We try and get a balance between development and preservation. In our new bylaw that we're trying to work with, we're going to de-densify even more. So somebody that wants to build a house will have to build a house on a 2-acre lot instead of a 1-acre lot. So all the trees and everything that were taken down before should be lessened. We have the same inquietudes that you have about the development in Moore Heights. For years and years, cross-country skiing, like you said, has been our backbone, and it will continue to be the backbone of Moore Heights. That's our DNA. That's how we work. And we have a plan made to maintain all of our trails. If you want, talking about the Balmoral thing, we have a legal servitude on the golf course to maintain the triangle there. So that's not a problem. We have other conflicts with the owner of the golf course, but there is no risk that the triangle trail will be blocked at any time. That's not a problem. So that's safe. But we agree with you that we have to do the utmost to maintain our trail network in Moore Heights. Thing is, it's because also there's the Salzburg that's been, we've lost 3.5 kilometers of the Salzburg now. It's been closed. It was closed all of last year. And this year, there's nothing happening there. It's a recurring problem that you should address seriously and to protect the heritage of this. This is an incredible heritage. It was left to the town from Jack Rabbit Johansson's days. You know, I mean, we should really, really put it. We agree with that. We got 300 acres from Skip Sheldon. We preserved that. We got over almost, I'd say, 200 acres preserved in the center of town. We always try and make sure that the trails are preserved to the maximum. The Salzburg, we're going to see exactly what happened there. I think it just, our employees didn't have time to move the Salzburg trail because I think it has to be moved. But I'll get back to you on that. If you leave me a message at 101 with Louise, I'll get back to you on what's happening with that. Okay, so that's my first question. My second question is about the maintenance of the network. Yeah. The past 3 years have been pretty difficult. I see maybe the guys, I don't know if they have the right equipment or it's a new generation of guys that don't really have the training that the old guys used to have. Well, I can reassure you on that. It's the same guy that's been doing the trails here for probably 30 years. His name is Rick Nesbitt. His daughter is on the Canadian National Cross Country Ski Team. And if there's anybody that knows how to maintain trails in Canada, I'd say it's Rick Nesbitt. So I'm not too worried about that. Maybe he doesn't have the equipment because I saw that they say it takes 18 hours to do the tracking. But if we only have skidoos, I mean, it's kind of like we need to improve the quality of the tracking or the speed at which it's done because people are paying. And so what I suggest that the town does is set up a bit of a sondage with the people that come to the network. And we already have that, Mr. Hoffer. It's a committee of users. We have that. Mm-hmm. People working with Daniel Charbonneau, who is our responsible for the trails, that already exists. And any equipment that was asked by our responsible of trails or Mr. Nesbitt has been furnished to them. So there's nothing that they have asked for that we have not given them so far. You have to understand that with 150 trails, we don't track set every single trail every single day. That's impossible. But no, I think our track setting, I cross country ski a little bit, and I think our track setting is pretty good on the main trails. For sure on the trails that are more in periphery, it's a little more difficult. This winter is not a good example because at the beginning of the season, we had no snow. And now we have a lot of snow, so I think the trails should be okay. But we have the
the conditions of the trails pretty much every day. And if there's something that you see that the tracking is not good, please don't hesitate to call Daniel Charbonneau and we'll try and see what we can do. Okay, because the thing is, I mean, like, they had this strategy last year where they would have the guys only run during the evening or early in the morning, so they wouldn't track during the day. But if it's snowing Sunday morning, by the time it's lunchtime, you got a foot of snow and it's not skiable anymore. They've been running during the day because I saw the skidoos during the day every time I've been out skiing. So I don't think that's in effect anymore. But again, if you see something that concerns you with the track setting, please don't hesitate to call Monsieur Charbonneau, who's responsible for all the track setters. And we're always trying to improve. Okay. Monsieur Le Maire, si je peux me permettre, au niveau de la Salzbourg a été déplacée à cause de la phase 2 de Alphonse, la phase 2. Et ouais. Les travaux sont terminés et elle est praticable dans son entièreté. Je l'ai fait moi-même. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Normand, attendez, on va te démuter, ça ne sera pas long. Voilà. Vas-y. Oui, bonsoir, Monsieur Watchorn. Bonsoir, membre du conseil municipal. Par rapport au projet du promoteur au Viking de construire un hôtel, une piscine intérieure et puis d'offrir le time sharing, initialement, c'est une demande de changement de zonage. Puis beaucoup de citoyens qui comprenaient mal le projet ou à tout le moins qui étaient très réticents à une espèce d'étalement urbain au sein même de Morrow Heights, alors qu'on a déjà des facilités de ski et de loisirs à même le village. Puis là, je n'ai pas trop compris. Le son était mauvais, M. Watchorn. Là, vous allez quand même de l'avant avec ce projet. Le promoteur va quand même aller de l'avant avec ce projet-là. Oui. Et puis, ce projet-là est appuyé par le conseil municipal. Oui, c'est ça. Exact. Nous autres, ce qu'on a décidé de faire, c'est comme j'avais expliqué durant la réunion et même après, on ne change pas le zonage de la zone 23. On intègre notre règlement de contrôle intérimaire les dispositions d'un PPC moins qui nous permet de faire des projets sur un lot en particulier. Puis on a décidé d'appuyer le projet sur le lot de Mme Sivoin. Bon. La deuxième question, c'est un peu dans la même idée que M. Hoffer tantôt. Je comprends que la politique d'échange de terrain ou d'argent pour protéger les sentiers de ce qu'ils font, en soi, c'est une bonne politique, évidemment, mais ça ne serait pas plus judicieux ou peut-être, est-ce que c'est possible légalement pour une municipalité de décréter une servitude publique de part et d'autre des sentiers existants pour maintenir les sentiers de ski de fond dans leur étendue, si je peux dire, parce qu'on sait qu'il va y avoir des projets de développement. Invesco a littéralement acheté le village, là, c'est pas compliqué. Et puis, je pense qu'ils ne gêneront pas pour développer. Là. Je pense à des endroits, notamment, je regarde au chemin du Tourtour, autour de ça, ou à d'autres endroits là, dont j'oublie le nom des pistes en particulier. Non, on comprend, mais malheureusement, ça, c'est pas possible. Ça s'appelle une expropriation. Puis, on n'a pas le droit de faire ça, là. Faire une expropriation déguisée. Là. Il faut travailler avec les promoteurs de façon à maintenir les sentiers, mais on ne peut pas décréter que la trail la passe là, puis elle ne bougera jamais, si on n'a pas le droit de faire ça. Mais on peut dire qu'on prend une certaine portion de terrain en pourcentage, puis on peut travailler avec eux autres pour s'assurer que le sentier est encore fonctionnel. Nous autres, l'idée là-dedans, c'est d'essayer de faire des bandes vertes. À place d'avoir une trail qui passe dans la cour arrière des gens et d'avoir une largeur qui est minime, là, on aime mieux avoir des grandes bandes larges où ce que les gens ils se sentent vraiment dans le bois. C'est ça qu'on essaie de travailler avec les promoteurs, plus que maintenir la trail, mettons, entre deux terrains selon son axe actuel. OK. J'aurais pensé qu'une ville avait le droit de décréter des servitudes d'usage public, en fait, de définir les sentiers de ski comme étant un usage public, un peu comme une ligne de téléphone ou... Non, on n'est pas comme Hydro-Québec, on n'a pas le droit de faire ça. OK. Merci. Merci. Monsieur Drainville. Gilles, je vais revenir à toi à la fin. Là, on va passer tout le monde avant. Oui, je n'ai pas de questions. Je vous remercie. Bonne soirée, M. Drainville. Bonne année. Merci. Bonne année. Là, j'ai quelqu'un avec un numéro. Là, je ne sais pas c'est qui. 076-124. Attendez-moi. Ah, M. Dwight. Excusez-moi. A winning number.
Attendez, on va le démuter. Les loups. C'est bien compris, monsieur Brown. On a compris. Et juste pour votre information, monsieur Brown, on a contacté le ministère de la Fonde et on chemine le dossier là, de tracking avec les loups. Là. On travaille là-dessus. OK? Avez-vous une question, M. Brown? Parce que je veux. Once we get tracking on the level 3 in the production line of our ecosystem, which are the wolves, if we can establish with the tracking where their permanent loops are, which they all have, we should not have a problem as a town that wants to preserve its ecosystem to block usage of where the animals pass. Because you can do that when it's wetlands, you can do that when it's riveré, and these are all essential parts of our ecosystem. Understood. As are the levels of production. This is the first step. We're going to try and figure out where exactly the wolves pass, and then we'll speak again for sure. OK, on va aller à. J'ai un nom, mais je n'ai pas de caméra, là. Arbutus. Ici, Arbutus. Mm-hmm. Can you hear me? Do you have a question? Can you just identify yourself because we can't see? Yes, my name is Carmelita. I just had to turn off my camera because my Zoom keeps freezing. Go ahead. Okay, there was a gentleman who spoke earlier by the name of Patrick. He was mentioning lights. I'm wondering which ones he's referring to. They're the ones across from Jackson Road that are grabbed. Ah, okay. Yep. Okay. Well, I'm going to refer to the ones in Basler Parking at the skating rink. Yeah, we're going to get the lights adjusted. They haven't been done yet because our sous-traitant hasn't found the proper machine to get up there without slipping on the ice. So they should be done, hopefully, before the end of the week. They should be adjusted towards the rink because they're not properly adjusted as of now. Okay, when you say adjusting, what are you speaking of specifically? Aiming the lights towards the ice and not towards the parking lot. Okay. You're not going to bring the actual lights themselves lower, are you? Nope. Okay. Because they're about 40 foot high and it's a blue light. And each lamp is 1,000 watts, 2 per pole. And that's also 1,000,000 lumens. It's a very bright light. And I'm wondering if just angling them the way they're set up is going to really make much of a difference because they're all in a straight line facing the parking lot as opposed to in a straight line facing the other way. We know that you live right beside there, Mrs. Glowacki, and we know you have a problem with the lights. We're trying to do our best to make sure that the lights aim only at the skating rink. But for sure, it's never going to be perfect for people that live right beside. It's impossible okay. to make it perfect. Mrs. McLeod and I have spoken about trying to help you in another way. So if you'd like, I'll meet with you later this week and we can discuss that. Well, that's very good. Thank you very much. Very good. On va aller à Mr. Harrison. Oui, bonsoir. Deux petites questions. La première, est-ce qu'il y a une réglementation qui existe ou qui encadre les Airbnb? Oui, absolument. Comment on peut obtenir ça? Le règlement de zonage permet des Airbnb seulement dans certains secteurs de la ville, puis c'est très limité. C'est jusqu'à des hôtels. Je donne l'exemple. Le centre du village, puis si je ne me trompe pas, l'axe de la 329 en s'en allant vers Saint-Adolphe, mais à part de ça, ils ne sont pas permis ailleurs dans la municipalité. OK, parce que moi j'habite sur Allen et ouais. Il y a quelques Airbnb. Et là, je me demandais s'il y avait le droit d'opérer ça.
il y a un Airbnb qui a un droit acquis dans le domaine Allen Falls parce qu'il avait été pris avant la modification du règlement. Parce qu'on avait changé tout le zonage du domaine Allen Falls, originalement appartenait à Skymore Knights. C'était zoné récréo-touristique et les Airbnb étaient permis. Le monsieur il avait pris son permis avant qu'on change le règlement de zonage pour que ce soit uniquement résidentiel. Donc, il y a une adresse sur la rue Allen d'Allen Falls qui a le droit d'avoir un Airbnb. Toutes les autres, ils n'ont pas le droit. On peut vous donner l'adresse, M. Harrison, qui est visé. Là. OK, s'il vous plaît, c'est gentil. Au bureau ici, donnez vos coordonnées, puis elle va vous transmettre ça. OK. Louise, vous dites? Oui, au poste 101, mon adjoint. OK. OK. Et deuxième question rapide encore une fois. Est-ce qu'il est prévu d'avoir des lumières de rue sur Allen? Non. Nous autres, les lumières de rue, normalement, c'est dans les ronds-points, les intersections et les courbes. C'est les seuls endroits, les courbes dangereuses, qu'on met des lumières de rue. OK. Parfait. Merci. Merci beaucoup. On va aller à Mme Cullen. Good evening, Mr. Mayor. How are you? I'm very well. How are you? Good. I just wanted to know whether or not the residential developments on the Moreton Heights webpage, when it would be updated, since it hasn't been updated since April 2019, and we're talking about projects such as Allen Falls 2, there's even Le Plateau project, which are nor on the developer's webpage, nor on the municipalities. Oh, okay. We do find them on Du Croix Prieux. Right. No, well, we will update that. Good point. Good point. Okay. So thank you. We have a good meeting. Mm-hmm. Thanks for having a good meeting. As well, I just wanted to say that my family and myself included are very happy that we moved up to Moreton Heights. Coming from Montreal, the quality of life here is priceless. We're glad to hear it. Yeah. I don't. What you have is very special, and you should do everything to protect what is here, what does exist. You're right. We absolutely agree with you on that. Does your daughter have a question? No. Do you have a No. Okay, well, have a good night, guys. We'll go to Mr. Schlachter. Hang on a second. Nope, he says no. No. Hang on a second. We're going to try and unmute him. Do you want to unmute, Chris? Go ahead. All right. No, I don't have a question, but I do appreciate all your frank answers to all the questions. It's nice to listen to you. Thank you very much. Thank you very much. That's appreciated. Now we have our resident famous guy, Mr. Kelly. Super folk. No question tonight? I'm good. I'm good. Thanks. You're good? Are we going to have another super folk, virtual super folk this summer? I don't want to put you on the spot. A real one. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, good to hear. Real one. Well, let's get everybody vaccinated and let's all go to super folk this summer. Exactly. Sounds good. I'm in. On va aller au Galaxy S10 de... C'est-tu Lucie, ça? Je me rappelle. Galaxy S10. Il y a trop. Lucie, oui. Madame Lucie, est-ce que vous avez une question? Je sais pas si Madame Lucie est encore là. Non? On va aller à Madame Sigouin. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une question? Non, je n'ai pas de question, merci. Ça va? OK. On va aller à... Girl that worked for us. Sylvie. Aged a lot, though. Madame Sylvie, est-ce que vous avez une question? On ne voit pas votre caméra. On ne sait pas si vous avez une question. Non. On va aller à la prochaine. Lucie Rousseau. Madame Rousseau, est-ce que vous avez une question? On va demander pour unmuter votre micro. Non? Okay.
Bon, fait qu'on a passé tout le monde. Monsieur Saunier, deuxième tour, allez-y. Ceux que la question a été répondue, qui ne veulent pas rester, c'est libre à vous. Moi, je réponds à toutes les questions. C'était juste pour introduire un concept. On pourrait considérer les sentiers de ski de fond comme des rivières. Donc, à ce moment-là, ça doit couler, puis il doit avoir une protection de bande riveraine. C'est à peu près, c'est un concept que je voulais introduire. C'est intéressant, ça, mais on vérifiera, notre avocat vérifiera la légalité de ça. Oui, mais ça, des fois, il va. Très bonne idée. Des fois, ça prend une première. Là. C'est une très bonne idée. Parfait. Très bonne idée. Parce que M. Filiatro. Hein? Oui, M. Filiatro, il y a des questions. On va y aller. Je pense que Dr. Majors avait des questions aussi. Là. On va y aller avec M. Filiatro et Dr. Majors. Mm. Alors, merci pour ma deuxième ronde de questions. J'en ai dans le fond deux autres aussi. Du côté des patinoires, très bien en passant, bravo, ça a été fait. Évidemment, je vois qu'il y a des ajustements, mais c'est très bien. L'entretien est quand même assez bien fait. Je pense que ça va être un peu difficile d'enlever la neige sur la patinoire de hockey à cause des filets qui ont été mis sur le côté. Là. Mais je pense que ça va s'ajuster, puis les lumières aussi vont s'ajuster aussi. Alors bravo, puis merci d'avoir fait ça. C'est très bien. La grosse question que j'ai pour vous, puis peut-être les membres du conseil, c'est ça savoir, c'est quoi la vision des membres du conseil et de vous, M. le maire, pour la municipalité en termes de démographie, croissance de population, en termes de revenus, de dépenses, de projets majeurs à long terme, même commercial, industriel. Pardon? On va être si longtemps. Ben, c'est peut-être pas nécessairement une question que vous devez répondre aujourd'hui, mais ce serait bien de partager une vision éventuellement, puis voir justement, est-ce que c'est une vision unanime de la part du conseil ou quoi que ce soit. De base, M. Villantro, depuis plusieurs années, notre base de développement, c'est le plein air. Ce qu'on a vu, puis la municipalité de Morneau, ça a toujours eu une croissance. Moi, j'ai commencé au conseil en 2001. Et puis, ça a commencé bien avant ça avec... l'association de ski de fond de Morneau, ça a toujours été développement du plein air. C'est une stratégie qui a très bien fonctionné pour la municipalité. On a connu toujours de la croissance. Il y a d'autres municipalités qui ont... Excusez-moi, je ne vais pas vous interrompre. On a un petit peu de difficulté parce que je pense que la Galaxy S10, il faudrait que tout soit muté. Ah, on va le muter. S'il vous plaît. Merci. C'est bon. Allez-y, d'abord. Est-ce que vous m'entendez? Là? Oui, très bien. Okay. Maintenant, oui. La stratégie de la municipalité, comme je disais, est toujours le plein air. C'est toujours le même cas, puis on a toujours vécu une croissance avec ça. Depuis 20 ans, on prône le développement. Hein? Toujours, on prônait le développement. On ne voulait pas devenir Saint-Sauveur. On a notre créneau à nous autres. On est spécial, on est bilingue, on est différent, puis on veut rester différent. Le mantra de la municipalité de Morneau, c'est en harmonie avec la nature. Puis on a vécu dans les dernières années une grosse pression de développement. Juste dans l'année dernière, il y a 200 résidents permanents de plus qui sont établis à Morneau Heights. C'est une des plus grosses années qu'on a jamais connues. Et c'est pour ça que le conseil a mis le moratoire sur le développement pour l'instant. On veut s'assurer de ne pas surcharger le territoire et de surcharger les infrastructures que les gens y profitent maintenant. T'sais, c'est le fun d'avoir du monde, c'est le fun de pouvoir encourager les commerces. Mais on ne veut pas que Morneau devienne Saint-Sauveur. Ça ne sera pas le cas. Et on veut continuer à maintenir nos services de plein air. C'est vraiment ça qui est l'objectif de la municipalité de Morneau. On n'a pas d'objectif ferme en tant que croissance annuelle. Ça va bien. La municipalité de Morneau, ça a toujours bien été au niveau du développement résidentiel. Puis on veut garder le créneau de développement résidentiel. Si vous voulez, je pense que la meilleure chose, c'est qu'on se rend compte en personne. Là. Et quand on va vous donner vos chiffres de trafic, là, on pourrait jaser de ça plus longuement parce que ça va durer longtemps. Puis je ne veux pas garder tout le monde toute la nuit. Là. Surtout après 8 heures, déjà, on est en danger, nous autres, là, de revenir à la maison. vous êtes essentiel. On espère. Moi, j'ai dit à mon DG, je suis comme Donald Trump, j'ai fait un self-pardon pour ce soir. Là. Pas une belle comparaison, M. le maire. Non. D'ailleurs, on vous a envoyé en Floride derrière moi. Oui, c'est ça. C'est bon. On se verra puis on jouera là-dessus. Excellent. Je vais prendre rendez-vous avec votre adjoint. Merci. Parfait. Il y avait Dr. Majors qui avait d'autres questions, je ne me trompe pas. Your mic seems good. Dr. Majors, can you hear me? Yeah, go ahead. Okay. Follow up on a question asked by Madam Cullen.
the real estate projects on the website, I count at least five that are not posted on the website. Right. One of them, and what I did was I went to some of the websites for the developers. Yep. But there's one Sous le Bois up on Blue Hills. Yep. Do you know who the developer is for that one? It was Mont-Saint-Hubert, which is Les Sommets. Oh, okay. Okay, next question. The Advisory Town Planning Committee, the composition of the members is not updated on the website. Yeah, we'll make sure it is. Okay. Another question from the budget. You are taking 2 cents for every $100 evaluation for the environment. What is that 2 cents worth? In money? Being used, what is that being used for? 2 cents is all sorts of environmental projects, sort of like what we did on the side of Lake Peter, doing the bassin de sédimentation, the stabilization of ditches, the installation of the electrical things for cars, all sorts of stuff for the environment. And it represents approximately a grand total per year. 1 cent is about $80,000, if I'm not mistaken, mm-hmm. Monsieur Lepin. So about $160,000 a year. Okay. In the August 12 minutes, you mentioned revitalization of the village core. Yes. To render it more inviting. What did you have in mind? Well, we're going to be working with the urbanism company that we hired tonight. And the idea is eventually we're going to need sewer systems in the center of the village. And we're going to try and make it more attractive so that some businesses can be established in the center of town. And that's our objective. And make it easier for people to walk and eventually put a sidewalk on the south side if we can. That's some of the plans that we have. Lighting, we're gonna make lighting nicer. There's a bunch of stuff, but we're gonna be working with the urbanism company that we hired tonight to try and present a plan for that also. Okay, and the last thing, the environmental and transitional policy was adopted by council, but it's not been posted on the website. Is there going to be anything coming out of that? Because I noticed that the town of Saint-Sever has published a 55-page document on a plan d'action for the environment for the next 3 years, I believe. Yeah, our president, Jean-Pierre Doret, is the president of that committee. He is, the plan has been adopted. He is already advanced, if I'm not mistaken, JP, correct me if I'm wrong, on the action plan. And as soon as the action plan's ready, JP will present it to the population and we'll put it on the website. Jean-Pierre, as-tu des commentaires là-dessus? Yeah, we're still working on those action plans that we have defined on everything there. And we're just trying to meet. We were supposed to meet yesterday, but we can't because of the COVID, with a consultant also to go over all our ideas, because we're all not professional in that aspect. So we have to postpone to next month the meeting with that consultant to finalize all those action plans, and with their experience or to certify which one we should go first and second and third. So we're at that stage of finalizing every action plans and bringing it up to the council and then publish them after. Because the Saint-Sever document, which I have not read in its entirety, I mean, it's 55 pages long. I just flipped through it and I noticed they had a whole bunch of stuff, for example, on preserving forest cover. And they consulted a variety of organizations in the Laurentians, and they worked on that document for just a year, about the same time as you've been working on your document. Now, perhaps mm-hmm. they have more resources than Moran Heights does. I can guarantee you that they have more resources than Moran Heights. And it's going out for public consultation at Saint-Sever. I think they've already done the public consultation, I think. Yeah, you might be right. It might be finished. So I'm just wondering, because since we're doing the urbanism plan, surely this environmental policy would have to be considered. But if it's not available for your external consultant,
It'll be advanced enough to be considered by the external consultants. It'll definitely be integrated in the whole urbanism plan for sure. Yeah. Okay. And is there another committee? Because under Mr. Dore's responsibilities for the town, for the list of council members, it mentions member of the Environment and Lakes Committee. Is that a new committee I'm not aware of? It's been modified. He's a member of the Environment, the CCE, Comité Consultatif en Environnement. We'll modify that on the website. That's just a mistake on the website. Okay, that's what I thought. Okay, all right. Thank you very much. Right. That's it. Normand, il y avait une autre question, je ne me trompe pas. Normand, ta minute, on va te... Monsieur Watron. Oui. N'est-il pas vrai que dans le schéma d'aménagement de la MRC, il y a des pistes de ski de fond qui ont été désignées comme étant patrimoniales? Ouais. Ça offre ainsi une protection juridique, je peux dire, une protection foncière, à non. Tout le moins, au parcours en lui-même. Non, non, ils ont été identifiés, mais ça ne leur donne pas le statut juridique protégé. OK. Est-ce qu'ils ont l'intention de le faire? Écoute, à la MRC, on n'a pas eu ces discussions-là depuis longtemps. Là. Moi, je suis à la MRC à tous les mois, puis on n'a pas parlé de ça. Normalement, nos protections de sentier passent toujours par la SOPER. Et puis, c'est la SOPER qui gère ces items-là. Ça serait bon de contacter la responsable de la SOPER, qui est Marie-France, la jeunesse. La douceur? Non, la jeunesse. En tout cas, mais quelqu'un à la SOPER, là. Parce que s'il y aurait les municipalités ou la MRC auraient des outils juridiques, je peux dire, ou fonciers, pour protéger les parcours en eux-mêmes. C'est sûr qu'on le ferait. Oui, bien, c'est ça. C'est ça ouais. Hein. Mais y a-t-il d'autres MRC ou d'autres municipalités qui ont fait ça au Québec puis qui ont, comment je pourrais dire, qui testent finalement le règlement qui est sûrement contesté par les promoteurs? Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Je ne sais pas, il faudrait qu'on vérifie et qu'on vous revienne, normalement, je ne sais pas. Oui, OK. Merci. OK. Y a-t-il d'autres questions? Si vous voulez, juste lever votre main, là, parce que là, c'est sûr que je vois la caméra. Là. Monsieur Brown. Attendez. Monsieur Brown, your hands up. Do you have a question? Oh, yes. Okay. I put my hand up before because there was a question about the lighting and light pollution and... Across from Jackson and also near the skating rinks, you can put louvers on the top of the lights that will stop the light beam, the ray, right at the edge of the person or the commercial property. It won't go any further. There's louvers on it. You got these floodlights that flood, and it's flooding, you know, 329 and area across from Jackson, and you've got it flooding in the wrong direction or on the skating rink. But if you put louvers on the light stands, you can block the light from going off the property. We'll look into that. The second point is you have a Communauté Urbaine de Montréal, which is a CUM, and urban to me is kind of like city. And some people live, they're lucky, they live in suburbs. They're not in the urban. And when I hear urban community development, and then I hear environmental, I need to know which one is a priority for you when it comes to decision making. Because I know you try and balance. You try and balance, right? You gotta develop, but you gotta keep environment. But which one's the priority? Like when it comes to a decision between, do we go ahead with that, knowing that it's gonna block ski trails and this and that, or do we go ahead with it, knowing that we're gonna cut off a natural water vein or a water runoff? Do we not put the environment or the ecosystem in front of everything else? We do what is possible within our power. So Mornites has always tried to put ahead anything that has to do with ski trails and outdoor
development. Every time we work with a developer, we try and maintain as much as we can the trails that are already on site. And if not, we try and move them and do what we have to do. The environment has to be more and more at the forefront of every decision that we make. And I think what council's doing now by redoing our urbanism bylaw, I think that's an element that we can put into our urbanism to help our decision-making be more towards environmental protection. I think that's something we should do. But to tell you which is more important, I think they're equally important. I think the urbanism and the development of a town is important. And I think the protection of the environment is important. And I think there's a way, and I think we've been doing a good job up to now of balancing both. And I think that's what we're gonna continue to do. There's somebody that came in the room. Geneviève Ranger, as-tu une question? Non. Hey, Geneviève, le soccer, ça s'en vient, là? Ça s'en vient. On a plein de nouveaux. On a un nouveau site web. On a un nouveau président. On a une nouvelle façon de jouer au soccer aussi. Ben oui. Fait que tu veux faire un blog pour le club, c'est le temps, là. Les inscriptions commencent le 1er février, tout le monde. Let's go, on a besoin de monde. Ça a été le fun l'année passée. On a augmenté les 4 à 7 ou 8 ans. On les a augmentés beaucoup. Puis, c'est des bons retours, des bonnes équipes. Super. Moi, je peux vous dire que ceux qui ne connaissent pas Geneviève Ranger, c'est le cœur et l'âme du club de soccer de Bourne Heights. Ça fait tout pour ce club-là. Et puis, mon garçon qui a présentement 16 ans, là, il a commencé à jouer à 3 ans. Puis il joue encore au soccer à cause de Geneviève puis de Charlie, qui sont des passionnés pour le sport. Puis je pense qu'on est bien chanceux de les avoir. Fait que, félicitations, Geneviève. Continue ton bon travail. Et on merci. On va continuer à supporter le club. Merci beaucoup. Merci, Thomas. C'est bon. Y a-tu d'autres questions? Sinon, on va essayer de ne pas se faire arrêter. Oh, Dr. Measures, one more, and then we're going home. Okay. Go ahead, Dr. Measures, then we'll go to Mr. Gallagher. One point for the lighting, highways now have these special, I'm not sure if they're sodium lighting or what, that are don't produce a very large light. Started installing those. They're called LED lights, and they're flat, and they aim more towards the ground. And they sort of have an orange color, right? There's two choices. You could have white or orange. It depends. The old sodium lights had an orange color, and the new ones, which take a lot less electricity, you have a choice between colors. I think there's the way they do it is it's a number, and I can't remember what the unit is, but it's 2700 or 3700 somethings, and that determines what color the light is. Okay. So we can definitely look into that. We can also look into that maybe later on for the skating rink if it's still a problem. We're going to take a look at it. Okay, and concerning the tracking of the wolves, is that being done by just tracks in the snow, or are they putting on, catching them and putting on satellite tags? Or We haven't started yet. Mr. Brown asked us to check in with the Minister de la Faune to see how that works. So we're consulting with the Minister de la Faune and trying to figure out how to do all that. And once we get that, I'm going to be meeting with Mr. Brown again and see how we can move forward with that, because more and more people are seeing wolves in Bourne Heights. I know you've sent us some pictures. Mr. Brown sent us some pictures. A lot of people have sent us pictures of wolves in Bourne Heights. So we want to know where they're going and what's going on with that. And I think the idea of putting collars on them, that was Mr. Brown's idea, is a very good idea to figure out what exactly is going on with the wolf population. Would it be possible to get in contact with Mr. Brown? Yeah, sure. I'll give him your coordinates. How's that? Okay, all right. Because one thing that could be used is all the information from people citing them. Right. Because the Novies have said that many, many years ago there used to be wolves all over Blue Hills. Yeah. And I've seen wolves on my road. I think I even made a note in my agenda. I think it was in 2003. Yeah. So that kind of information can be combined. Okay. You could put it in your bulletin. If you've seen a wolf, please. Right. Advise whoever. Yeah, we can take that in. I'm trying to see if there's any more questions. Mr. Gallagher, go ahead. Yes, I just have a question about Loomis Park. Last year was quite busy there, I guess. I'm just wondering if the town has any plans or interest down the road to
have a second park in the municipality of Morin Heights at any point, or that's it, basically. Stay with Loomis Park. Is that what you're talking about? The beach? Yeah. Yeah. Actually, yes. It wasn't so busy this summer because we limited it to residents only. So it was quiet as opposed to most summers where it's way busier than that because of COVID. I don't think we're going to be out of COVID this summer that quick. So I think it's, again, going to be limited to residents only. It's our only access to water, public access to water that we have. And for now, we don't have any other options for public access to water. So we have that. We have lots of parks, but the only actual public access to water is that park. Is that one? Okay, I understand. Okay, thank you. Okay. Mrs. Cullen? How many switches are there for the lights at the hockey rink? How many switches? Because it's on the generator, there's only one right now that puts them all at one shot. But once Hydro-Québec gets connected, which hopefully is very soon, there should be one for each post, if I'm not mistaken. I just wanted to share here the Quebec Biodiversity Atlas that you can get online. Okay. And on it, there are quite a few plant and animal species that we do have in the Morin Heights area that are soon to be endangered, or a few actually are already that we have seen and we do have. People do post images on the Facebook page, but they also share them amongst neighbors. Okay. I did have wolves on my property in June. Okay. So there is life in the forest, lots of it. And the forest isn't a green space or a park. You can't replace it. You're right. Okay. Do you want to send us a copy of that atlas by email? That'd be interesting. I did. I believe I shared it, but I will share it with you again. Yes. Very good. Thank you very much. I'm trying to see. Yeah, Mr. Brown, one more. And then we're going to call it a night, I think. Not a question. Go ahead. I'm just reiterating that Morin Heights has had wolves and has wolves for as long as it has had deer. And Morin Heights has had deer for as long as it's had foliage. We understand your passion. I'm not sure, because take one of those three levels of the production out, and you won't be able to do like St. Sauveur and say, we're going to keep so much forest cap, because I have no idea what keeping a forest cap means. And what you have to do to keep forest cap, you need an ecosystem. Yeah, we agree. It should be a priority. Yeah. Very good. So if anybody has any more questions in English or French, please don't hesitate to write to me on my email. My email's on the website. And if you're comfortable coming to the town hall, I meet with people at the town hall one-on-one, 2 meter distance with masks and hand washing and the whole thing. So come speak to me, because I'm kind of lonely here in COVID and I like talking to people. So if you want to come over and talk to me, it'd be my pleasure. And that's what I like doing, interacting with people and trying to keep our community a good place to live and a nice place to be. So if you want to come meet me one-on-one, it's my pleasure. If you want to meet any one of the counselors, some of them have different health issues, so they only like going by Zoom. But me and Mrs. McLeod, and we're pretty young, so. Absolutely. And old guys like me. Oh, merci. Guys like Peter, we try and save for sickness. So I wish everybody a safe and wonderful 2021. And I hope everybody gets vaccinated as soon as it becomes available. I don't know if you saw in the paper, but we even offered Chalet Bellevue as a vaccination site so that people in Morin Heights could get close. I haven't got a response yet from the CIS, but if we ever get vaccines, we definitely want to make that a priority. And I hope everybody is safe and healthy for 2021. So thank you everybody for coming to the council meeting, and we'll see you again next month. And again, don't be shy to send me an email, come see me, and we'll talk about more next. So take care, everybody. Good night, everybody. Good night. Good night. Good meeting. Good night. Good night. Thank you.
Que c'est Claude, là? Ouais. Ah. On dirait qu'il y a un micro, là. Ouais. Il est là. Oui. Attends, il est muté. On t'a muté, Claude. Donne-nous le salaire. Il est muté. On l'a lu sur tes lèvres, Claude. Tu as fermé l'assemblée. Oui. Lève ta main, Claude, si tu fermes l'assemblée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Lève l'assemblée, c'est non, fini. Non, ça vient, là. Ça vient. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. So you have to go on more and cut the live Facebook. Yeah. More.